Quand tu as un dossier à la légère, tu as un taliban qui a un argument qui va se développer. Pour minimiser une affaire aux Isali, un premier pas, mais je dirais bien un pas géant, où ils ont risqué de conduire le pays Nabisso vers la balkanisation. Lui-même, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui s'est distingué pendant le Kaala, qui s'est comme le premier Congolais dans le dossier Oyo, a aussi connu ça la déclaration pour dire que Aïeba quitté. Qui doit créer un mouvement, il y a un modèle de loi. Tout ce la légèreté, c'est d'abord faux, un mensonge, venir tout droit de l'enfer, que de dire que les projets président Kabila, Nebuto, Abandengo, président Félix Eko se matérialiser. Faux et archi faux. Lorsque le projet s'est présenté en 2013, sur la table à président Joseph Kabila, il a dit ce dossier faux les 6 soirs. Réponse de Ezadego, il faut le six soit, il n'a jamais donné d'orientation dans le sens d'aller vers Mini, vers Kopé sa statue au Bapesileu Nakatia Minembo. C'est ça la stricte vérité. Et il est parti du pouvoir en 2018. Donc vous allez me dire quoi? Pendant 5 ans, à six soit un dossier, et 2 ans après, il y a des justificatifs pour dire que Oye Amigago six soit pendant 5 ans, et on est fois ça dans 2 ans. Il faut reconnaître que les services de la présidence de la République ont fauté. Les dossiers ont été mis à table. Il y a chef de l'État pour se décider. Le dossier est en faute et belé dans Kati. Nous devons faire entendre nos voix pour que le président de la République, à ce stade, y ait une décision pour que la décision de revenir sur cette décision-là, après ça, l'instruction nécessaire. C'est ça. Être patriote, c'est ça être nationaliste. On ne peut pas commencer à entériner quelque chose où ils allaient risquer vers la balkanisation de notre pays. C'est un pas géant, une première étape. La première étape, on donne nationalité, on va passer ce qu'on territoire, on va passer statut à territoire à une entité. La deuxième étape, c'est quoi? Et au commence à au Senga, cette entité aura le droit. Il y a aussi ce qu'on a au Nini Nyango, droit à autodétermination. Et s'ils obtiennent le droit à autodétermination, Tokoum n'a pas qu'à Soudan, n'a pas qu'à être jusqu'au Yougoslavie. Ça veut dire que Tokoum n'a pas qu'à la balkanisation, ou de Télémena Bandakala. La deuxième chose, je n'ai rien contre nos frères Banyamblingue qui sont dans notre pays depuis presque un siècle et demi. Je n'ai rien. Ils sont aussi dans les institutions, ils sont partout. Mais il y a quand même des comportements moussousou na katia ba nina ba moussousou où les Sénégalais sont congolais tout ça un peu prudent il y a un peu ça va reconnaître certaines choses assez rapidement. Kounda Batouak, il a fait la rébellion ici comme congolais toujours faisant partie de la communauté. Lorsque la commune à Rwanda et que va Sénégalais va extrader le Rwanda a donné quoi comme argument au moins va extrader exactement parce que c'est un citoyen rwandais. Tu es dans Bosco Tangana. Bosco Tangana, lorsque tu as commis dans l'ambassade des États-Unis dans Rwanda, je ne sais pas si tu es dans rwandaise. Mais ici, il était dans l'institution, c'est-à-dire dans l'armée. Dans niveau même, il y a général comme Congolais. Et on peut continuer à dénombrer Bakayango. Donc, c'est-à-dire quoi? Cette hypocrisie, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, d'être Congolais, quand leur besoin, ils ont se faire sentir. Et de renier la nationalité congolaise lorsque le monde va connaître intérêt dans le monde Moussousou, c'est ça, cette duplicité qui doit nous obliger à une vigilance. Donc je n'ai rien, discours de la maison, ni séparatiste, ni quoi que ce soit, mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut dire au service de la présidence de la République. Et on a le courage de le dire. Et ça, vous manquez respect à la présidence de la République, et ça, vous manquez respect à la service de la République. Il faut seulement les interpeller pour dire que ces problèmes ils ont de lourdes conséquences. Nous sommes des Congolais. Ce n'est pas la terre qui appartient à X, Y ou Z. Ça nous appartient à nous tous. Donc les services à la présidence de la République, ils ont fauté dans ces cas éminents. Merci beaucoup.